darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no fêter le 150e anniversaire de la fondation d'Auteuil. Ce matin, on est parti dans le métro, on a marché, on a traversé la Seine, on a visité Notre-Dame de Paris, on s'est acheté des petites tours Eiffel, ça a été un moment super cool. Bon, moi je suis ici vraiment pour la signer des reconnaissances. Et moi je suis venu à France, ça fait 5 mois, mais on m'a expliqué qui est Louis Roussel. J'encourage l'œuvre de Louis Roussel, c'est pour cela ce soir je suis ici pour encourager. Ce qui m'a touché, c'est la façon dont les gens voyaient les choses. Tout le monde met sa part en fait. On est tous investis par la même chose. On est tous amenés à prier dans un pèlerinage. Prière parce qu'en même temps on pense à des personnes en particulier dans un pèlerinage. Moi personnellement je pense à ma grand-mère. Je visais plus Jésus en fait, dans mes prières en même temps. En fait ce pèlerinage il m'a apporté beaucoup de choses. Déjà j'ai pu me retrouver, me recentrer sur moi-même. Pour nous ça a été un week-end très important. Je voulais vraiment les emmener, leur faire découvrir que Auteuil c'est pas que la maison Saint-Benoît, que appartenir à la grande famille d'Auteuil ça veut dire partager des valeurs, vivre des choses ensemble et pour moi c'est jackpot parce que quand j'ai des jeunes qui me disent j'ai passé une des meilleures soirées de ma vie, quand elles rentrent dans l'église et qu'elles passent la porte sainte et qu'elles me disent il se passe quelque chose, j'ai envie de pleurer, je sais pas pourquoi, je me dis que ça y est. Qu'ils se sentent appartenir à cette grande famille et qu'effectivement, il y a des valeurs qui se transmettent, autres que le quotidien qu'on partage, mais que vraiment là, on s'est retrouvés dans la miséricorde de Dieu et dans l'amour de Marie et c'était un très très beau moment, vraiment très beau moment.